Mais quel temps horrible, nuages, tristesse, désolation, pas du tout de soleil, ça va pas du tout. Aujourd'hui, vidéo série de l'été de Monsieur Grun. De quoi est-ce qu'on va parler? Je vais vous parler de photos, parce que forcément, quand vous partez à la plage en vacances, vous faites tous des photos avec nos smartphones en règle générale. Mais il y a un truc qui était super sympa il y a quelques années, qui est un petit peu tombé à l'oubliette, c'est le Polaroid. Le Polaroid, vous connaissez, vous avez votre appareil, clac, vous prenez une photo, elle sort directement. Le Polaroid à la base, c'est ça, petit appareil, vous l'ouvrez pour prendre vos photos, vous déclenchez là, clac, paf, ça tourne. Et ça vous sort le film ici. C'était vraiment un produit complètement révolutionnaire. Ça reste aujourd'hui un produit de collection. Il y en a encore certains qui l'utilisent, mais pas énormément de personnes. Vous avez ici votre petit tiroir pour ranger vos films. C'est vraiment un produit de collection. Il y avait plein de modèles différents. Il y avait aussi des choses comme ça qui étaient très, très, très sympas. Enfin, pas mal de produits. Le problème, c'est que si la qualité n'était pas bonne, votre photo n'était pas terrible. Et puis, le film coûtait quand même relativement cher. Et justement, Polaroid a réagi. En sortant en début d'année, le POP. Le POP, c'est un petit appareil malin. Vous allez pouvoir prendre votre photo soit avec votre Polaroid, soit avec votre smartphone. Vous l'envoyez ensuite dans le Polaroid. Vous pouvez la retoucher, écrire des messages dessus, rajouter des emojis. Enfin, il y a pas mal de possibilités et vous l'imprimez directement. Et ça, c'est plutôt cool. C'est un produit que j'ai rencontré en tout début d'année au CES à Las Vegas. Je l'ai gardé sous le coude pour vous le sortir pendant la saison estivale. Et bien, ça tombe bien, même si aujourd'hui le temps n'est pas terrible. Le soleil va revenir et pour vos vacances, ça peut être super cool. Donc ce Polaroid POP, ça peut être un petit produit très intéressant pour les vacances et pas que, pour les anniversaires. Ça peut être un super moyen d'immortaliser, puis d'imprimer, puis d'avoir vos petites photos derrière, enfin comme vous le voulez, au bureau, chez vous, où vous voulez. Donc aujourd'hui, on va parler de ça, le Polaroid POP, qui peut être un super outil pour vos souvenirs. Polaroid qui est vraiment sympa, c'est le POP. Alors qu'est-ce que peut faire le POP? C'est un petit Polaroid, vous avez 10 recharges à l'intérieur, vous prenez votre photo, bien évidemment comme tous les Polaroids, elle va vous l'imprimer, mais la grande nouveauté, c'est que vous le connectez avec votre smartphone. Donc vous pouvez prendre des photos avec votre smartphone que vous allez directement envoyer dans le POP, vous pouvez envoyer des emojis, vous pouvez faire plein de choses. Vous prenez votre photo soit avec votre smartphone, soit avec l'appareil POP. Ensuite, vous pouvez directement griffonner des petits messages sur le POP que vous allez retrouver sur la partie du bas là. Vous allez pouvoir écrire des petits messages, vous allez pouvoir l'imprimer, la personnaliser. Enfin, c'est vraiment sympa. Ce qu'on voit avec ce produit, c'est que Polaroid va encore plus loin au niveau de leur solution avec un appareil connecté directement avec son smartphone, avec une application dédiée. Et ça, c'est vraiment sympa. Alors, on peut imaginer pouvoir faire pas mal de choses avec. Bien évidemment, vos photos un peu classiques de vos amis, mais vous pouvez complètement les personnaliser, rajouter des emojis, faire des choses encore plus fun et surtout les imprimer directement. Vous n'avez pas besoin de changer quelque chose, vous avez juste à rajouter vos recharges de papier. Vous en avez 10 à l'intérieur. En haut de l'écran, il vous indique le nombre de photos que vous pouvez faire, le nombre de papiers que vous avez encore disponibles. Donc voilà un petit peu l'idée de ce produit. C'est vraiment marier la photographie un peu plus conventionnelle avec des grandes guillemets de Polaroid, c'est-à-dire le shoot instantané, la photo qui sort, avec les nouvelles technologies, avec son smartphone, et ça c'est super intéressant. Autre point qui est super intéressant sur les Polaroids en règle générale, ce qu'on faisait à l'époque, qu'on les avait imprimés, on les secouait, on les laissait sécher. Alors les secouer c'était toujours une très très mauvaise idée parce que ça les abîme, ça peut les endommager, mais par contre on devait avoir un temps pour attendre qu'ils sèchent bien évidemment. Là il n'y a pas besoin du tout, là il est imprimé, il est sorti, c'est une imprimante numérique classique, c'est pas un film, je dirais, comme on peut retrouver usuellement dans les Polaroids classiques, une fois de plus, mais par contre, c'est vraiment quelque chose qui marche super bien. Alors ça fait des petits souvenirs, c'est sympa, c'est pas une imprimante de ouf, faut pas s'en avoir des définitions dingues, mais pour avoir un petit souvenir partagé avec des potes, c'est vraiment bien. Alors moi, je trouve le produit assez sexy. Maintenant, ce que je regrette, c'est que vous pouviez avoir uniquement 10 films à l'intérieur. Le problème souvent des films Polaroid, c'est qu'ils sont quand même aussi relativement chers. Pour l'instant, j'ai pas encore d'infos de prix, j'ai pas encore d'infos sur le prix des recharges, mais c'est vrai que chez Polaroid, tout de suite, ça va chercher un peu cher. Donc si vous voulez en faire beaucoup et vous amuser énormément, voilà, c'est pas cadeau. Mais en tout cas, voilà, c'est un produit qui a le mérite d'être là, qui a le mérite d'aller dans le bon sens, d'allier le Polaroid au numérique. Donc c'est vraiment bien. Pour ça, joli pouce. Voilà donc pour le Polaroid POP. Je ne sais pas si c'est un produit qui peut vous intéresser. En tout cas, moi, je trouve vraiment intéressant, vraiment pertinent. Puis surtout, ce qu'on voit qui est super intéressant, c'est que Polaroid réussit à se réinventer pour s'adapter à un marché qui est en pleine mutation. Parce que le Polaroid, dans les années, il y a de ça 30-40 ans, voire un peu plus, c'était, et c'est toujours pour les amoureux de la photo, un produit qui est génial. C'est de l'instantané.
on fait une photo à l'imprimer, on peut pas choisir, ça sort, donc vous n'avez pas intérêt à vous planter. Le fait que Polaroid se réinvente dans les standards actuels, je trouve ça plutôt intéressant. Il y a un très bon point d'ailleurs, dites-moi ce que vous en pensez vous en commentaire. Est-ce que vous trouvez que ce produit est cool? Est-ce qu'il pourrait vous séduire? Est-ce que vous aviez déjà des produits de Polaroid? Est-ce que celui-là vous le trouvez intéressant? Donc vous marquez tous en commentaire, on reste bien évidemment connecté. Je vous invite à laisser des jolis pouces, restez là, vous allez voir, il y a plein de surprises qui arrivent. Je travaille à fond sur la rentrée, le studio est en travaux, donc pour l'instant on en profite d'être un petit peu dehors. Donc restez connecté, je vous dis à très bientôt, soyez sages, ciao.